Cet artiste a obligé les gens à adorer le diable dans son concert. Oui, ils étaient obligés de l'adorer. Si tu es musulman ou chrétien, quelle que soit ta religion, si tu étais présent ce jour-là, tu allais aussi l'adorer. En tout cas, quelqu'un même a organisé son concert satanique. Tu es allé, où est le problème dans ça? Bienvenue dans SNM Info sur la chaîne de SNM Pro TV. On va parler de ce phénomène, de ces polémiques qui fait ravage sur la toile. Il s'agit du concert de Rema. Voilà, Rema, vous savez que son, c'est tout dernier titre, charme et autres. Si vous voyez les visuels, c'est quelque chose, quoi. Ça te parle déjà dans Sharp. Vous voyez que voilà, le gars qui se pousse en enfer comme ça. Vous voyez les choses comme ça. Et puis après cette dernière sortie avec des shows de démons comme ça, on sait déjà que le gars, il a pris une nouvelle direction. On dirait que c'est le Doja Cat d'Afrique, quoi. Voilà, si vous connaissez Doja Cat, elle aussi a fait des buzz. Et puis, ces derniers albums, voilà, Pain de Town Raid, c'est quelque chose de malade, de démon aussi. Je sais pas comment les artistes font maintenant, mais aujourd'hui, on va parler de Rema, puisque le concert de Rema, ça a fait fort. Déjà, le gars qui descend sur un cheval noir, habillé en noir, avec un masque ressemblant à celle du diable, voilà. Et puis, des incantations ou quoi, personne ne sait. Et les gens qui ont pris frayeur dans la salle. Les gens ont pris frayeur. Les gens même ont quitté. C'est le début du concert. Tu as payé de l'argent pour venir regarder le concert. Début du concert, en même temps, tu écoutes certaines choses, tu prends la porte, tu pars. Et il s'agit du concert de Rema, voilà. Les gens qui ont eu des différentes réactions sur la toile. Et c'est vraiment quelque chose de... Ça fait réfléchir. Déjà, le gars, il commence très bien. Si on va dans l'histoire de la musique de Rema, il paraît qu'il a commencé même à l'église comme ça. Voilà, c'est un chrétien. Donc, il connaît un peu ce qu'on appelle le christianisme. Et puis, voilà, le Satan et autres. Avant qu'il ne commence à popper. Et puis, le gars qui vient faire des choses de zinzin comme ça, personne ne comprend plus quoi. Alors, les gars, aujourd'hui, je vais vous présenter quoi? Des certaines vidéos, voilà, une vidéo que j'ai classée en note pour vous, pour comprendre quoi l'histoire de Rema, qui est vraiment Rema, comment il a popé de ses chansons qui ont fait des millions de vues, et puis voilà, jusqu'à Camden récemment, et le feature avec qui? Avec Selena Gomez, qui est encore tout pété, et voilà, je me demande, mais la fois passée au Grammy, il n'a pas été nommé au Grammy, voilà, et prenez ça comme ça, que voilà, le gars a dépassé les Grammy, alors, avec son concert, c'est encore quelque chose de ouf. Et même ses concerts dans certains pays comme l'Éthiopie a été annulé puisque l'Éthiopie est un pays chrétien, voire full chrétien quoi. Donc, le gars qui a des choses de controverse à la religion chrétienne, des églises renversées, des croix renversées, en tatouage sur lui, et tout ça cause polémique. Donc, son concert là, et celui de Londres, c'est quelque chose quoi. Je vais vous laisser avec les réactions des gens sur la toile. C'est quelque chose de malade. Donc, on se retrouve à la prochaine. Je vais venir maintenant, on va en discuter. Donc, je vais donner mon avis. Alors, mon gars, laisse un like et puis regarde ces vidéos et abonne-toi. Let's go. Cet artiste a obligé les gens à adorer le diable dans son concert. Oui, ils étaient obligés de l'adorer. Si tu es musulman ou chrétien, quelle que soit ta religion, si tu étais présent ce jour-là, tu allais aussi l'adorer. Si tu es étonné, je te rappelle que ce n'est que le début du commencement. Ce que je vais te dévoiler par la suite va vraiment. Moi-même, je manque de mots. Je vais te dévoiler pourquoi ces milliers de personnes avaient ce jour-là adoré le diable. Pourquoi ils l'ont adoré. Et je vais te donner le nom de ce diable. Pense d'abord à t'abonner. Voici comment tout a commencé. Qui est Rema? Rema, stylisé R-E-M-L, de son vrai nom Divine Ikubor, né le 1er mai 2000 au Benin City, dans l'état d'Edo au Nigeria, est un auteur-compositeur-interprète nigérian. Il est devenu célèbre avec la sortie de la chanson Iron Man, qui figurait sur la playlist d'été 2019 de Barack Obama. Il y a de cela quelques jours, il a organisé un gigantesque concert à Londres. D'abord, son entrée sur scène était sous forme de rituel, laïque. Cette vidéo, observe bien et regarde. L'Apocalypse 6, verset 4. À un moment donné, il avait commencé à pousser des cris démoniaques. Il chantait, mais ce n'était plus sa voix on entendait. J'ai trop de choses à te dévoiler. D'abord, si tu étais dans ce concert, qu'allais-tu faire si tu vois ces signes? Réponds dans les commentaires et abonne-toi. Le concert du chanteur Rema à Londres était-il un rituel? Tu vas voir des images du concert et tu vas comprendre. D'abord, regarde son entrée. Et regarde, cela fait référence à l'Apocalypse 6.4. Ensuite, il va exécuter un rituel sous nos yeux. Et regarde, ce rituel connu du cercle et du carré va être reproduit sur scène. Les danseurs vont tourner en rond sur la scène carrée. Regarde. Et rappelle-toi, le chanteur Sam Smith avait fait la même chose. Regarde. Et pendant le concert, tu vas voir que le chanteur Rema a crié plusieurs fois comme s'il était possédé.
À votre avis, le chanteur Rema a-t-il vendu son âme au diable pour réussir? Allez, salut. Il a vendu son âme au diable pour le succès de son concert en Éthiopie. Mais le concert a été annulé car les choses vont mal. Le diable réclame quelque chose de très surprenant. Ils disent qu'il a signé 99 pactes, que c'est un Illuminati. C'est ce qu'ils disent aussi. Mais moi, je vais te rendre l'affaire claire dans cette vidéo à seulement 3 conditions. La première, like la vidéo, on commence. Lui, c'est Rema. De son vrai nom, Divine Ikubor, est un auteur-compositeur-interprète nigérian. Devenu orphelin de père à l'âge de 8 ans, quelques jours après, il perd son frère. La vie devient encore très compliquée. Pour s'échapper à la détresse autour de lui, Rema commence à chanter à l'église. Il chante du gospel. Il lance sa carrière musicale en 2015. Il est devenu célèbre avec la sortie de la chanson Iron Man, qui figurait sur la playlist d'été 2019 de Barack Obama. Bref, la deuxième condition, pense à t'abonner et on continue. Son concert a été annulé en Éthiopie car les chrétiens l'accusent de sataniste. Au fait, Rema aurait fait une tatouage de la croix à l'envers, ce qui donne un signe de l'antichrist. Dans l'une de ses chansons intitulée Charme, il crie au secours étant dans une gouffre de feu. Dans l'autre de ses chansons également, il fait appel à Karachika, qui est une sirène des eaux. Et toi, que penses-tu de ce qu'ils disent? Fais-le savoir dans les commentaires. Regarde bien l'attitude étrange de Beyoncé. Même Jay-Z a l'air un peu étonné. Regarde maintenant la danse bizarre qu'elle est en train de faire. Écoute maintenant ce que va dire Beyoncé dans cette interview. Et surtout ce qu'elle va dire à la fin, c'est vraiment bizarre. Sacha est mon alter ego. Je suis vraiment timide, enfin pas timide, mais plus réservée. Rien à voir avec Sacha. Elle peut faire des choses que je ne peux pas faire quand je suis en répétition. Je veux dire que je peux essayer, mais ça n'arrivera tout simplement pas. Je peux chanter des notes hautes, chanter fort, faire toutes ces choses quand je ne suis pas moi-même. Et je me souviens juste avant de jouer, j'ai levé les mains. Et c'était la première fois que je sentais quelque chose entrer en moi. Je savais que c'était ma soirée de révélation. Rema accusé de satanisme, son concert est annulé en Éthiopie. Comment ça se fait-il en fait que cet artiste qui est tant aimé de sa génération fait autant polémique? Aujourd'hui, on est là pour en parler. À l'âge de 8 ans, Rema perd son père et par la suite, il perd son frère. Il faut savoir en fait que la religion pour lui est un moyen pour lui de s'échapper de toute cette détresse qu'il est en train de vivre. Au point où il est devenu chanteur à l'église, il chantait souvent des musiques gospel. Et ce que les chrétiens lui reprochent en fait à l'heure actuelle, c'est que il connaît un peu les concepts, les préceptes de la religion chrétienne. Et lui, en fait, dans l'une de ses pochettes d'albums, il a mis une église et une croix à l'envers. Pour certains, ça représente rien, mais sauf que pour les chrétiens, ça va l'encontre contre de ce que Dieu demande en fait. C'est tout simplement des symboles sataniques. Si c'était juste ça, il ferait pas autant de polémiques, mais sauf que ça va beaucoup plus loin. Il faut savoir en fait que dans l'une de ses musiques qui s'appelle Charme, on l'entend en fait brûler dans une fosse de feu et crier « Aidez-moi, aidez-moi ». Pour les chrétiens, cette phrase porte réellement à confusion. Ils se disent « Mais comment ça se fait-il qu'il demande en fait de l'aide en brûlant dans une fosse de feu ?» Est-ce qu'il aurait vendu son âme au diable? Point d'interrogation. Et ce qui se passe en fait, c'est que dans une autre de ses musiques qui s'appelle Soweto, on entend en fait dire Karachika. Vous pouvez savoir en fait que Karachika, c'est un film nigérien qui est sorti dans les années 1996. Et c'est une fille en fait qui s'appelait Karachika qui avait en fait une mission que Lucifer lui avait donnée d'aller prendre en fait les enfants de Dieu pour avoir plus de population en enfer. Ce film en fait est devenu tellement connu qu'il y a une expression qui est apparue qui s'appelait Karachika, qui signifie en fait une femme sirène qui séduit les hommes pour les amener, ou vous savez.
Tout ça fait en sorte qu'il y ait beaucoup de polémiques autour de lui parce que les chrétiens ne comprennent pas comment quelqu'un qui connaît les préceptes de la religion chrétienne va à l'encontre de ce que Dieu demande. Attends, il y a un truc que je comprends pas là. Mais c'est quoi le concept? Il y a énormément de réactions concernant l'artiste Rema. Tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui se passe avec Rema? On m'a mentionné sur une vidéo de lui en concert et honnêtement, ça fait froid dans le dos. J'aime pas faire des raccourcis, surtout que là, je suis vraiment pas le seul. Tout le monde a l'impression qu'à un moment donné, il récite quelque chose de bizarre, de mystique. Pour vous dire, il y a carrément des gens qui se sont filmés en train de quitter son concert en plein show. Tellement sur le coup, ils ont eu peur, ils ont pas compris l'ambiance. Mais en vrai, quand on voit la pochette de son nouveau projet, du rouge partout, quand on voit le décor sur scène, quand on voit toute cette ambiance, sincèrement, il n'y a pas besoin d'avoir fait les Beaux-Arts ou la Sorbonne pour comprendre qu'il y a quelque chose de sombre. C'est glauque, il y a quelque chose de maléfique là-dedans. Moi, quand je vois ça, sans vouloir faire le parano, j'ai l'impression qu'il a basculé de l'autre côté. Après, ça reste mon avis, mais c'est très inquiétant. Il y a du rouge partout, j'ai l'impression qu'il y a des messages subliminaux. Franchement, il y a un truc qui est louche, il y a un truc qui met mal à l'aise. Après, on sait que quand il a perdu son père dans sa jeunesse, il s'est mis à chanter à l'église. Sauf que là, quand je vois ça, j'ai vraiment du mal à comprendre. Est-ce que toi aussi, t'as l'impression qu'il y a un truc qui va pas? Est-ce que toi aussi t'as l'impression qu'il a basculé de l'autre côté? Est-ce que tout ça, ça te donne plus envie d'écouter son projet? Ou au contraire, ça te fait peur? Dis-moi ce que t'en penses. Laisse ta message. Et regardez comment ces jeunes garçons commencent. Il est jeune, tout mignon, puisqu'il évolue dans la musique. Tu vois comment il commence à s'habiller, comment il commence à se tatouer tous les corps, tous les corps, tous les corps, tous les corps. Les tatouages, c'est vilain! Les tatouages, c'est vilain! Comment un homme peut se tatouer un dragon? Comment un homme peut se tatouer une sirène? Quelqu'un qui dit qu'il a des démons. Tu écoutes sa musique, tu te mets sous l'influence du démon qui est dans sa musique. Arrêtez! Je m'en fous s'ils se fâchent quand on dit ça. On doit dire la vérité. Recevoir leur musique dans un langage de sorcellerie avant de le mettre en anglais. Ils y mettent même ce qu'on appelle les messages subliminaux. C'est-à-dire c'est un message que ne capte pas ton oreille physique, mais capte ton âme, capte ton subconscient. Alors il peut être là en train de chanter pour sa femme, mais dedans, il est en train de glorifier Satan. Donc là, il n'y a rien qui vous interpelle, genre. J'ai écouté le dernier EP de Rema, Savage, et... Je suis fatigué. Genre, il n'y a que moi qui a remarqué ou... Le gars... C'est le nouveau Doja Cat africain. Pff, déjà, regardez-moi cette cover. Ensuite, ça, 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 et ça. Genre, tout vous paraît normal pour vous? Il y en a qui vont me dire, ouais, non, mais tu vois, c'est un choix artistique, nanana. Non, c'est pas un choix artistique. On fait pas des choix artistiques comme ça, genre... Il y a quelque chose qui se trame, il y a quelque chose qui se cache derrière. Genre, c'est logique. Déjà, tout est rouge. Genre, quand t'es un artiste, t'as une multitude de choix. Tu peux faire tout et n'importe quoi au niveau de la création. Tu peux te créer telle image. Mais non, le gars, il a fallu qu'il crée une image démoniaque, une image satanique de ouf. Après, je vais pas vous mentir, j'ai pas encore lu les lyrics. J'ai pas pu trouver de traduction, parce que enfin, c'est mi-yoruba et mi-anglais. Et j'ai pas encore pu trouver de traduction, mais avec ce genre d'image, je suis sûr à 100% qu'il y a des trucs sombres dans les lyrics. En fait, j'ai le seum de ouf, parce que l'EP, il est grave bon. Il est beaucoup plus dark que l'ancien album, Raven Roses. Mais c'est bien fait, c'est bien fait, là, avec les flows, ils sont bons, tout ça. Mais le problème, c'est l'image. Après, j'ai pas encore vu les lyrics, comme je vous ai dit, mais l'image... C'est trop. Bref, je vous invite pas à écouter. On sait jamais ce qui peut se passer. Peut-être qu'ils jettent des sorts ou je sais pas. Il y a des trucs bizarres. Parce que les mélodies, elles sont quand même bien dark. Hein. C'est dansant, certes, parce que ça reste de l'afrobeat. Mais c'est dark. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on s'attrape pour une nouvelle vidéo. Go!
someone knows they know TV, ever so pretty boy, stop backing it up. When the shoes start to, you can start to disappear more. You come for the family, then you come for me. Now you make all the matter they don't. Had a priority best when I see your position. One day testing my dominion. No situation, there's nothing deeper. Push me and I go stalky deeper. Taking my back, you go see my. RIMA's concert, demonic? RIMA's latest concert had many people frightened, scared to death, and disturbed by the demonic energy at the show. There was so much uproar, even BBC News did a story on it. Others were not sure, with some even calling the show demonic. It's clear to see that people are becoming more aware of the spiritual realm. People are beginning to see it's not just a show, it's not just for the shock factor, they're actually doing rituals and devil worship. But it's time for Christians to mature, because a lot of the people who are at the concert calling it demonic were Christians. But what do you expect? If you're going to support artists like RIMA, Drake, Taylor Swift, Travis Scott, and you're going to go to their concerts, then you are walking into witchcraft, you're walking into rituals and devil worship. Or instead of supporting them, you could support the kingdom of God and the things of God as hard as you support these artists. If these people aren't being led by Jesus, they aren't leading you anywhere good. So follow Jesus. Comment, follow Jesus. God bless you. Famille, à un moment donné, ouvrez vos yeux et en même temps ouvrez vos esprits pour comprendre certaines choses, pour comprendre des réalités qui se passent devant vous en longueur de journée. L'autre fois, j'avais publié la vidéo de RIMA. Je n'ai rien dit et j'ai lu des commentaires. J'ai vu ce que vous aviez dit. Beaucoup ont dit, ah, c'est le succès de RIMA, ah, c'est la victoire, ah, les Nigériens sont très très forts. Je n'en dis qu'on vient pas, hein. Les Nigériens sont très très forts, mais là, famille, ah, je ne vous comprends pas. Parce que vous ne voyez pas tous les signes qui se passent devant vous. RIMA à London. À London, imaginez, il a fait son entrée avec un cheval qui a des yeux rouges. Regardez, des yeux rouges, des mains rouges. Cela ne vous dit rien. D'accord. RIMA entre encore avec un hibou qui a des yeux rouges. Cela ne vous dit rien. D'accord. L'artiste musicien nigérian RIMA désormais fixe les tarifications de ses sorties, concerts et collaborations en Afrique et en dehors de l'Afrique. Devenu de plus en plus célèbre dans le monde de la musique, RIMA est actuellement en conquête du monde. Avec son récent concert en Angleterre qui fait beaucoup de bruit sur la toile, l'artiste nigérian fait une sortie pour fixer ses tarifs pour ceux qui veulent faire une collaboration avec lui et qui résident en dehors du continent africain. Voici ce qu'il dit. Je facture maintenant $1 million pour n'importe quel spectacle en dehors de l'Afrique. Rien de moins ne marchera. Les collaborations sont faciles, surtout quand j'écoute votre vibe. Si je ne ressens pas votre vibe, je ne laisserai pas tomber un verset. Je sais que c'est du business, mais je ne peux mettre ma voix sur n'importe quoi là-bas. Oui, comme vous l'avez entendu, l'artiste RIMA ne fera plus de collaboration avec n'importe qui. Même si vous avez versé les $1 million, il faut qu'il ressent quelque chose avant de poser sa voix sur le morceau. Voici ce qui se cache derrière le concert de l'artiste nigérian RIMA à Arena. Le concert jamais vu dont les gens continuent de parler. Beaucoup pensent que l'artiste est passé de l'autre côté de la force. Avec tout ce qu'on a vu sur la scène, il n'y a plus de doute. Actuellement RIMA bat son plein. Est à la tête de tous. Il est à son heure de gloire. Mais pour comprendre tout, il faut d'abord savoir que la musique n'est pas un simple chose que vous pensiez. Pour arriver au sommet, il faut faire des trucs pas clairs. Signer avec certaines choses avant d'avoir la gloire, car c'est eux qui dirigent actuellement le monde. Tout ce qu'il a fait a un sens dans l'autre côté. Rien que du rouge et le noir. Le cheval et sa position. Pour certains, c'est juste un jeu de création. Beaucoup de personnes ne sont pas à l'aise dans le concert et croient avoir été dans un spectacle du grand D. Pourquoi serait-il passé de l'autre côté? C'est la question que bon nombre de ses fans se posent. Pour le moment, rien ne prouve que c'est vrai qu'il a vendu son moi pour avoir le succès qu'il a aujourd'hui. Mais tout s'explique par les images. Bon, j'espère que tu as kiffé, moi, puisque je ne sais pas quoi dire. Ah, le gars, il fait sa vie. C'est ce qu'il commence à faire, il va faire, il va terminer. Voilà, c'est la promotion d'un album qui parle beaucoup, qui parle beaucoup. Les gars, les sons, la sonorité, c'est tout.
Mais si tu écoutes les mots, tu vas oublier la douceur de la chanson. Voilà. Si tu écoutes les lyrics, tu regardes, tu lis les lyrics, tu vas oublier que voilà, tu vas écouter un son qui te fait vibrer, qui te fait danser. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je serai extrêmement ravi. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de SLM Pro TV. Alors, sois scotché, sois calé et je te laisse regarder une nouvelle vidéo ici. Ça va me faire plaisir. On se retrouve de l'autre côté. Bye. Je vous aime.